Salut, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment placer un ordre sur Binance. Cette procédure sera relativement simple. Une fois connecté, on va accéder à la page de trading pour passer un ordre. Donc, pour le faire, on part dans le menu principal en haut, puis on va cliquer sur Trade, puis sélectionner Classique ou Advanced selon nos préférences. Puis là, on va choisir la paire de trading que vous souhaitez utiliser. Par exemple, si vous voulez échanger du Bitcoin contre de l'Ethereum, vous allez rechercher et sélectionner la paire Bitcoin slash Ethereum. Avant de placer un ordre, il est important de comprendre les différents types d'ordres disponibles sur Binance. Donc, un ordre au marché, on va d'abord commencer par l'ordre au marché qui est exécuté immédiatement au meilleur prix disponible. Puis on va passer à l'ordre limité qui permet de spécifier le prix auquel vous souhaitez acheter ou vendre. Donc l'ordre ne sera pas exécuté que si le marché atteint ce prix. Et aussi, on va aussi parler de l'ordre stop limit. L'ordre stop limit combine les caractéristiques d'un ordre stop et d'un ordre limité. Donc, lorsque le prix de donc quand le prix de stop est atteint, il est placé automatiquement en ordre limité. Maintenant, voyons comment placer un ordre limité. Dans le panneau de crédit, on va se sélectionner limite et puis on va saisir le prix auquel vous souhaitez acheter ou vendre et on va entrer le montant et puis on va passer l'ordre, soit d'acheter ou de vente. Pour ceux qui souhaitent exécuter des ordres immédiats, voici comment placer un ordre au marché. Donc, dans le panneau de trading, sélectionnez marché, puis on va entrer le montant et puis on va passer l'ordre. On va cliquer sur acheter ou vendre pour exécuter immédiatement l'ordre au meilleur prix disponible. Maintenant, pour protéger vos trades contre des mouvements de marché brusques, voici comment placer un ordre stop limite. Là, dans le panneau de trading, sélectionnez stop limite. Puis on va saisir le prix dans le prix de stop à partir duquel l'ordre limité sera déclenché. Puis on va indiquer le prix limite auquel vous souhaitez acheter un ou vendre. Puis on va indiquer la quantité de la crypto-monnaie que vous souhaitez acheter ou vendre. Puis on va cliquer sur acheter ou vendre pour passer l'ordre. Et voici, et voilà, c'est aussi facile que ça de passer un ordre sur Binance.